La 22e édition de la fête des Vaudons a eu lieu ce dimanche 10 décembre 2021 à Malanwi, dans la commune d'Adjara. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du 10 janvier. Et tous les 10 janvier, sur ce site de Malanwi, c'est ce site qui est abrité pour la fête du 10 janvier du département de l'Ouémé, la 22e édition. Mais pour cette année, c'est le coronavirus qui a changé tout. C'est dans le respect strict des gestes barrières qu'a déroulé cette fête à la place réservée pour le culte endogène. Le Covid-19 nous a tout bloqué. Donc on ne doit même pas beaucoup parler. C'est pour cela qu'on a fait nos rituels, nos cérémonies sans difficulté. Vous l'avez vu, il n'y a même pas de tam-tam. Malgré cette maladie, on a respecté les consignes, les gestes barrières. On a tout respecté. C'est pourquoi on a modifié. On ne l'a pas célébré comme nous le célébrons avant. Contrairement aux autres années, la fête des dieux n'a duré qu'une heure avec une vingtaine de divinités pour cause du coronavirus. On a fait tout pour sortir au moins 20 divinités. Et ces 20 divinités, on a demandé à ces 20 divinités de nous chasser ce virus qui nous a envahis, pour que l'an 2022, il puisse sortir plus que ça, puisqu'on sort au moins 2000 divinités sur ce site. Le message à l'endroit de la population sont la méfiance et le respect des consignes données par le gouvernement. Je porte le message à l'encontre des populations, des dignitaires, que de rester serein, de suivre les consignes. Et devancier du président de la République, il nous a dit restez calme. Le dignitaire de Nwada, qui a aussi vénéré son Dieu, nous donne ses impressions.